Oh la dinguerie qui vient de se passer les gars, un truc de ouf. Bon voilà, j'ai fait le petit wheeling. Vraiment genre 2 secondes après au rond-point. Vois quoi la municipale frérot. Je peux te dire que j'avais une goutte de transpi sur mon frog estomé. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on va rouler en solo. Petite balade solo, ça change un peu. Enfin pas pour moi mais pour vous oui. Moi en général je suis toujours solo hein, sur ma bécane. On va aller vers les beaux de Provence. On va voir ce qui se trame de beau. Comme un petit vlog en fait, hein. Comme vos youtubeurs préférés. Ils filment leur grosse tronche là. Et en fait, moi, vous voyez ma grosse moto là. Ouais, salut famille. Oh, oh. Par contre, le temps est trop gris à mon goût là. Ça me fait un peu peur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont annoncé de la pluie. Et bon, moi, je me suis levé frérot à 14h. J'ai vu le soleil. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille rouler. Parce que oui, je me couche un peu tard en ce moment. 100% vers les beaux, il pleut là. Ah non, j'aurais le seum. J'avais envie de rouler moi. Un poquito, trai pa la Honda. Ananana la moto. Qui se rappelle sa musique? Alors, les gars, je vais vous prévenir d'un truc. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de Akram. Il y a de ses expressions, c'est un délire. Genre, le truc, qu'est-ce que c'est beau. Des phrases qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête. Avec les frérots à chaque fin de phrase. Donc du coup je vais reprendre quelques petites expressions à lui sans le vouloir des fois. C'est comme si vous regardez un youtubeur préféré et vous le regardez vraiment tous les jours. À bout d'un moment c'est sûr que vous allez reprendre ses mimiques et tout. Il y a pas de honte, il y a pas de plagiat, il y a pas de... Voilà, je vous annonce ça, ça va sortir comme ça. Hop, petite glisse sur ça. Ouais pas trop hein. Pourquoi là-bas il fait beau? Pourquoi là-bas il fait pas beau? Qu'est-ce que c'est beau? Hier soir, je me suis couché hyper tard. Enfin, j'arrivais pas à dormir, c'est pas pareil. Et pourtant, je me force. Je me force à rester plus d'une heure dans mon lit, à fermer les yeux et tout petit quanti. Sauf que des fois, ça veut pas, ça me casse les couilles. Et je me rabats sur mon tête, du coup. Je me suis couché genre à 3h. Je me lève 14h, il fait beau. Je vais sur ma moto, il fait pas beau. Est-ce que c'est pas incroyable? Attends, je rêve ou il pleut là-bas? Waouh, putain, j'ai pris une rafale, mon pote. Oh merde, les gars, je reçois des gouttes dans ma face. Et là-bas, c'est clairement un rideau de pluie que je vois. Génial, les balades avec Madux. La chienne, putain, t'as des tétons, mon pote. On sait même plus si c'est une vache ou un chien. Ok. Les moutons. Ouais. Ouais. Ah, je vais vraiment attarder, putain. Oh, je m'aventure direct, mais droit devant la tempête. Ah, je suis trop fou. Eh, franchement, je vous le dis, ça serait incroyable qu'on passe à travers. Je suis sûr qu'on aura une éclaircie là-bas. Je sais pas, je le sens bien. Ça s'annonce très mal, mais je le sens bien. Oh là là, je me prends plein de gouttes. Je suis pile poil sous le nuage, les mecs. Magnitude 5, force 6. Bon, point sur la météo, les mecs. Je me prends toujours quelques gouttes. Pour l'instant, ça va, jusqu'à que je me prenne un éclair. T'imagines, là, je me prends un éclair en pleine vidéo. Mama le buzz. Oh putain, ça y est. Merde. Ah, il faut traverser ce nuage. Ah. Oh merde les gars. Oh là là. Oh là là, je suis dans la merde. Mais ouais, en une accélération, je suis passé du il fait tout beau, il fait... Ah. J'ai gars, regardez. Et j'ai pris une tempétasse. Je suis passé de... Il n'y a aucune goutte à vraiment le déluge. Bon, au passage, ça me lavait ma combi, je l'avais jamais lavé. C'est la danse des canards. Il pleut, bergère. Ouais, il a cabré le fou. On sèche les gouttes à des allures très respectables. Hey, un poco, travaille pas la Honda, de pas sur la moto. Je pense que je vais m'arrêter là. Oh, elle est dégueulasse. Je la lave plus maintenant au Karcher parce que ça me laisse des traces de calcaire. Je la lave à la main, du coup ça me prend des heures et des heures, mais après elle est nickel. Putain de merde. Wesh. Ah, c'est de l'eau qui tombe de mon casque là. Ah oui. Non, c'est vraiment stylé les beaux de Provence. Si un jour vous avez l'occasion de venir ici, c'est pas mal. Mais regardez-moi cette vue de malade. Oh là là, on entend encore les orages. Bon, je pense que je vais me bouger parce que sinon je vais me les reprendre là. Let's go. Et ça, je dois être trop débile. T'as vu le marche arrière? Beau gosse ou pas? Ah, en plus ça a une odeur particulière la pluie. Bah la pluie tout court en fait. Mais c'est encore pire que j'imaginais. Ah ouais, t'es fou. Aïe. Aïe. Oh. Ok, ok, let's go. Super. Lourd. Oh là, je me chie dessus les gars. Salut mon gars, je m'en bats les couilles, moi je suis un vaillant. Maman mon gâté, personne derrière moi. Parce que je suis vraiment je suis à 40 km/h les gars. J'ai l'impression que si je mets 1 cm de plus d'angle, je glisse. Oh quelle misère, je me suis fourré là. Et je m'en bats les couilles, le virage je le passe en première. Ça y est, je commence à avoir froid. Là j'aurais tout gagné. Une averse, une angine. Yo. Eh non, pas, je me régale. Enfin je me régale. Je me régalerai plus s'il ferait beau mais. Mais quoi, comment elle peut chauffer alors qu'elle a clairement pris de l'eau? Eh oui.
ouais, le retour du soleil. On a refait les 4 saisons dans cette vidéo, s'il te plaît. 2 km à pied, sous la pluie, ça use encore plus. Ah, aujourd'hui, what the fuck. Ça fait un beau petit bruit là, Mini Cooper. Hein. Bon, ben voilà l'équipe, je pense que je vais vous laisser sur cette magnifique météo. Voilà, bah moi je vais rentrer, hein. De toute façon, on peut pas faire grand chose avec ce temps. Mais c'était cool en vrai. Les petites mésaventures de Madux, vous connaissez très bien. Bon, sur ce, la bise de mec, à une prochaine. Là, j'aimerais trop mettre des olives aux cyclistes là. Bisous.